Bon, bah ma foi, on va se lancer. Allez, go, parce que bon, ça fait quand même une bonne semaine que j'ai pas remis le nez dedans. C'est plutôt farewell, hein. Je vais pas rejouer les épisodes auxquels j'ai déjà totalement arrêté. Enfin, arrêté, ça ne veut rien dire. Ça commence très bien, je ne sais plus parler. Au secours! Oui, c'est vrai. C'est vrai. Alors, de mémoire, j'avais tout fait. J'avais regardé une grosse partie. Je pense que... on va tout refaire. J'avais écouté le message sur le répondeur. Mais je vais refaire parce que je pense que ça n'a pas sauvegardé. Je vais faire la vaisselle. Oui, parce que j'avais fait la vaisselle comme un bon petit toutou, finalement. C'est pas grave. On va la refaire. Voilà. Je vais fouiller. Et on va terminer cette séquence, je suppose. Il n'y a pas grand-chose à y faire. Par... les objets qui sont un peu répartis sur la table de la salle à manger. Bon, ça, j'avais lu la dernière fois. Ok. Je crois qu'il y avait des trucs dans l'entrée. Chloe's grandparents live in Idaho now. I guess compared to that, Seattle's not so far. Okay. Tiens, j'ai écouté ce qu'il y a sur le répondeur. Mom was talking about. She did say she didn't want Chloe to hear it. But if Chloe's in trouble at Blackwell, this might be my only chance to get her to talk about it. Donc on va écouter, comme on a fait la dernière fois. This is Anne Rogers, Marissa's mother. Marissa from Blackwell. I need to talk to you about what your daughter did to Marissa in class today. I'll be keeping Marissa home with me tomorrow. At this point, I'm not comfortable sending her back to school at all. I don't know if your daughter is having trouble adjusting or what, but this needs to be addressed. Hey, hold on. Are you serious? I don't want my parents to hear that. I've never gotten in trouble like this before. They already know. I saw an email on your parents' computer. Shit. Eh ouais. What happened? Something so minor. Her mom is exaggerating. I bet Marissa told her that I'm telling you, it's stupid. They both sound awful. Marissa and... Je vais essayer de la faire parler comme la dernière fois. All Marissa talks about is like how much she hates her tutor, but she never does any homework. I told you, I hate fake people. Is everybody there like that? No, not everyone. But more than I'm used to. Anyway, she wouldn't leave me alone, so I... turned up her Bunsen burner in science, just a little. What? No one got hurt, not even close. J'ai juste failli cramer une fille, mais c'est pas grave, hein. C'était totalement maîtrisé. Totalement. She was making fun of my clothes and calling me a scholarship kid. Is that why you wanted to throw away your hoodie? Don't worry. I'll keep it. Hey, you can handle this. You're so much cooler than she is. Eh ouais. Mais non, on s'en fout.
Thanks, Max. Bon, bah ça, c'est fait. Tiens, on va regarder ça aussi. Chloe's a lot more responsible than I am with my allowance. Ah ouais, elle notait tout. Elle était tellement plus responsable avant. Enfin, c'est triste en fait de se dire ça. Chloe and I have been friends for so long. Maybe I'm worrying too much about this move changing things. C'est trop chou. Hey, what if my being in Seattle finally convinces Chloe to try an MMO? Elles vont jouer à World of Warcraft. World of Warcraft. C'est super dur à dire, hein? Chloe and I spilled that wine months ago, but I still feel bad about it. That's so cool that Chloe's mom is thinking about this. Ces femmes qui changent de carrière à 40 ans. You sure were troublesome to find. Ah oui, la boule à neige. La boule à neige! Faisons secouer la boule à neige! There. Now you've got something pretty to look at. Je la secoue. Ça n'est jamais assez. Il va peut-être se passer quelque chose. Et... ah ouais, je voulais voir si je pouvais lui parler ou pas. You're such a space hog. Move over. Petite musique derrière, toujours appréciable. Je pensais qu'elle allait dire quelque chose. En général, quand on fait des gros moments comme ça où on se pose, des fois elle parle. Ah bah si, elle parle. J'ai rien dit. Je vais lui parler aussi, ou est-ce que... Ah, je vais peut-être regarder ce qu'il y a sur la... sur la table. Such a good idea. It's good to see you, old friend. Recording things was so much fun in third grade. It actually might be really fun to write letters to Chloe after I move. Is writing once a week too often? Will I run out of things to say? Bon, je relis pas les documents parce qu'on les a lus la dernière fois. Most of these are pretty far off base. It's so hard to predict the future. Maybe it's better to enjoy the present instead. These are awesome. Holy crap! It's the end of that comic in Chloe's room. Oh, this is gross. Okay, il y a un truc au fond là, magazine, mais j'arrive pas à le. This container looks like it could last 100 years. Voilà. Look
pen. We used to read every issue from cover to cover. Ok. Ah non, il y avait... Non, non, ok. Bon, ma foi. On en a fait le tour. Je pense qu'on peut lui parler, du coup. Hey, hippie. How's the masterpiece? Working on the last bit. How about you? Done with the time capsule? Yeah, I think so. Elle a fini son dessin. I'm finished. Check it out. Oh gosh, I really miss Bongo. Oh, c'est trop chou le dessin. I saw you giving him a flower. It was so sweet. Oh, Chloe, you were really drawing me that whole time. Whoa, whoa, whoa. Mushiness alert. Keep it together, Max. I guess il a toujours pas dit. Chance to tell Chloe I'm leaving. We might not be alone again once our parents get back. Hey, ready for something else? I've got a great plan for the afternoon. Crap. I don't want to ruin the rest of the day. Ah, on est tellement obligé de pas lui dire en fait. Would Chloe even want me to tell her? She's already got enough drama from Blackwell. Max? It's just Seattle. I'm probably overstressing about the whole thing. Right? Non, j'ai envie de lui dire parce que j'ai pas envie de lui mentir en soi. Qu'est-ce que t'aurais fait? Je sais pas trop où j'aurais dit, je pense. Parce que je trouve ça méchant en fait de. Ouais, vaut mieux lui dire ça. Elle m'en voudrait si je lui disais pas. Chloe. Ah, je sens que dans cet épisode, je vais chialer. Je suis sûre. Je veux te dire quelque chose. Ok. My family's moving to Seattle. Really soon. Hey. In 3 days, right? What? Elle savait. You knew that? Our parents do talk, you know? But they said I should be the one to tell you. They still told my parents. I guess Mom and Dad were trying to keep quiet too, but they're bad at hiding anything. Don't look so worried, Max. It's okay. Come on, Dorkmeister. It's not the end of the world. I should have just told you earlier. God, I feel so stupid. Maman, tu l'as dit. I said it was okay. I was trying to tell you this morning, but... And I totally distracted you with the pirate tape. Success. Seriously? I didn't want this hanging over us all day. Plus, I know you hate this kind of conversation, so... I just left it alone, you know? Come on. I want to spend every minute we have together having fun. C'est le genre de promesse que tu fais en fait, mais tu la tiens pas. Mais on le dit, mais on le fait pas. Who knows? Chill out. We can go to college together. It's gonna be fine. We're Max and Chloe, remember? We're always together. Even when we're not. That's true. Cool. Let's find something fun to do. Ah punaise, mais la journée pourrie quoi, j'étais sûre. Maman?
heck flies on the windowsill. We are to know. Oh, la journée pourrie, quoi. Winter stole the summer's thrill. And the river's cracked and cold. See, the sky is no man's land. A dark and plumed estate. Hope here needs a humble hand. Not a fox found in your place. Ces bandes de bâtards. Ils mettent une musique hyper triste et tout. Non, c'est juste horrible. Eh, vas-y, t'as le personnage principal qui pleure. Oh non, mais sérieusement. Par contre, est-ce que l'épisode est déjà fini, l'épisode bonus? Tu penses? Ouais, t'as rien. Ok. Oh, le live qui a duré 20 minutes, quoi. La grosse blague. Oh, maybe you were the ocean when I was just a stone. Black flies on the windowsill. Ah tiens, c'est les parents de Max en fait qu'on n'a jamais vu, genre le père, je suis sûre. Les parents de Max, on les a jamais vus. Mais genre la semaine pourrie, quoi. J'aurais tellement tout brûlé dans ma chambre. Personnellement, j'aurais foutu feu. J'aurais tout cassé. I would give anything to be there with you now. It's so hard trying to say what I'm thinking. If I could just see you. But we'll get good at it. Great at it. Quand tu sais en fait ce qui se passe après, tu te dis mais ouais, ses parents l'ont l'air quoi. It'll be like I never left. I mean it. You don't have to worry about anything changing. You're dealing with so much other stuff. You don't deserve any of this. Chloe, listen. Even if I never... Even if we're moving for good, we are always together, okay? Even when we're apart, we're still... Et je me souviens en plus que dans ma partie perso, j'avais sacrifié... Enfin, je m'en souvenais plus, mais c'est au moment où j'ai regardé mon let's play que je me suis souvenu que je l'avais sacrifié.
Sans con, ils m'ont fait pleurer. En même temps, tu mets une musique triste, ben voilà. Genre le live qui a duré 25 minutes, je suis sûre que ça va être ça. Je pensais pas que j'étais aussi proche, en fait, de la fin. Si c'est le cas. Non, oui, c'est le cas. Chut, tais-toi. Je n'en sais rien. Ah, putain, ouais. Mais chier, en fait, j'aurais pu terminer la semaine dernière. Tout ça pour ça. Un poil court, quand même. C'est un épisode bonus. À la base, il était pas censé exister, déjà. Ouais, mais... Il manque un... Enfin, je sais pas. Ça manque d'un truc, en fait. C'est... Après, c'était bien. Hein. C'était chargé d'émotions, etc. Mais c'est un poil trop court. Hein. C'est comme si t'avais une tartine de Nutella, mais qu'il y avait pas assez de Nutella dessus. T'imagines? Ah... Oh. Bon, bah moi qui pensais que j'en avais encore pour une heure, mais c'est même pas le cas en fait. C'est pas du tout le cas. C'en est fini en fait avec Life is Strange pour le moment. Il y aura un deuxième qui sortira un jour, on ne sait pas quand. On a le temps avant de le voir venir. Mais en tout cas, c'était fort sympathique. Et en termes de jeu narratif à choix, du Council, ouais. Mais faudrait l'acheter. Qui est sorti. Mais que je n'ai pas acheté, hein. Mais il m'a l'air intéressant, donc je me laisserai peut-être tenter, comme ça. Ça pourrait être sympa. Et puis la Terre. Bah, les piliers de la Terre, on a commencé hors caméra. Ah oui, ouais, non, mais je pensais que tu parlais des jeux. Comme ça, quoi. Ah oui, oui, il y a les piliers de la Terre qu'on a commencé, nous, c'était pas mal. Enfin, c'est pas mal pour l'instant. C'est pas le même délire, hein. Par contre, non, c'est beaucoup plus lent. Hein. Oui. Voilà, en termes de narration, c'est pas du tout la même chose, mais... Mais ouais, enfin, c'était ouais, chargé en émotions, ouais, c'était sympa. Bon, par contre, ce qui est hyper rageant, c'est que voilà, je... Il y a le mode collectionneur comme d'hab hein, pour faire toutes les photos. Et bah ouais, super sympa et comme d'habitude. Hein. Voilà quoi. Bon bah quand on sait que voilà faut désinstaller le jeu parce que tu sais très bien que ça arrivera pas avant longtemps. Bon bah ma foi c'est un tout petit live sur Life is Strange, genre c'est microscopique. Et toi t'as même pas fait le 1. Tu me dégoûtes. Tu me dégoûtes oui. Pixel. Qu'est-ce qui t'arrive? J'ai pas fait. Bah bravo. Je te félicite pas. Et je baille, c'est pour dire. Bon bah voilà, on en aura fini avec l'épisode de bonus de Life is Strange. Et je ne sais pas, rendez-vous je ne sais pas quand, pour de nouvelles aventures. D'ailleurs je n'ai même pas fini, j'avais commencé des lives sur... Déponia, mais alors, tellement galère. Il est tellement difficile que j'ai totalement lâché le jeu. Et en même temps, il m'a tellement gonflé que à la fin, je tournais au Solus en fait. Parce qu'il y avait vraiment des trucs incohérents. Les point and click, encore ça va quand il y a une certaine cohérence dans les énigmes et les Solus, mais là, ça n'a aucun sens. Et c'est hyper frustrant parce qu'en général, un point and click, t'es content quand tu fais pas appel au Solus, mais alors là... Mais à chaque énigme, j'étais obligée d'aller regarder sur internet parce que je comprenais pas ce que je devais faire. Je savais pas quoi faire. Je l'ai dit. Bah après il y en a certains qui sont pas mauvais. Alors celui-là, j'ai un peu du mal à accrocher. C'est pas mon style. Bon bah voilà, bonne soirée. Bonne soirée, à la prochaine, salut.